Salut tout le monde, c'est Darkbo et on se retrouve pour une nouvelle vidéo Minecraft pour un event, putain, je saute beaucoup trop, un event Minecraft sur une map Minecraft appelée Space Wars. Donc cette map, voilà, donc d'ailleurs c'est un event qu'on fait sur Ainity, donc si jamais, il a fait démarrer la map, donc si jamais il y a des lags de mon côté, c'est juste de mon côté. Parce que vous ne laguez pas, voilà. Donc si vous voulez faire l'event aussi, si je le refais, je pense que je vais le refaire, je sais pas quand, mais du coup, je vais peut-être le refaire la semaine prochaine, du coup, l'event sur NT. Donc, vous allez peut-être pouvoir y jouer vous aussi. Mais avant tout, je vais vous présenter la map avec le site web. Donc nous voici sur l'article de la map Space Wars. C'est marqué en 1.11.2, mais en vrai la map est en 1.12. Mais après, si vous voulez tester en 1.11.2 et que ça fonctionne, tant mieux pour vous. Mais voilà, c'est juste pour prévenir, essayez plutôt 1.12, vu que la map, dès que vous la téléchargez, elle est en 1.12. Voici le descriptif du jeu. Tout d'abord, dans Space Wars, vous vous retrouverez dans l'espace. Le but du jeu est le même que sur les maps PVP traditionnelles, à savoir être le dernier survivant. Petite particularité, Space Wars offre de nombreux nouveaux éléments, comme un pistolet d'énergie qui explose les planètes en petits morceaux, et une laser sword capable de pénétrer les tenues spatiales. En fait, on peut taper les autres avec quoi, c'est tout. Aussi, votre agilité est mise à l'épreuve, étant donné que la gravité n'est pas la même. Parce qu'en fait, vous allez voir, mais c'est galère à gérer quand même les sauts et tout ça. C'est galère à gérer en fait. Vous avez vu au début où genre je sautais très haut, mais en fait c'est très galère parce qu'on saute très haut mais on va pas très loin. Pour venir à bout de votre adversaire, il faudra alors bien réfléchir avant de faire le moindre mouvement qui pourrait vous laisser tomber dans le vide intersidéral. Par ailleurs, des coffres seront placés de part et d'autre afin d'avoir de l'équipement supplémentaire. Pour y jouer, vous aurez aussi besoin de télécharger le pack de textures. D'ailleurs, il est vraiment nécessaire de le télécharger parce que sinon, vous ne verrez pas du tout les graphismes comme ça. Donc, genre, vous aurez des graphismes bien plus nuls. Et en fait, ça va tout gâcher au jeu. Donc, franchement, téléchargez-le. D'ailleurs, si vous jouez sur serveur, vous avez ici Space Wars Resource Pack. Pour le mettre sur votre serveur, vous allez juste là. Clic droit, copier l'adresse du lien. Et dans le fichier serveur.properties de votre serveur, vous copiez ce lien en fait. Vous collez ce lien dans ressource pack. La ligne ressource pack égale, vous mettez ce lien. Voilà, c'est tout. Et puis après, ça fonctionnera normalement. Sinon, si vous êtes en solo, bah il y a déjà le ressource pack qui est inclus dedans normalement. Donc bon, pas de souci pour ça, voilà. En tout cas, je vais mettre tous les liens de la map et tout en description pour vous. Donc même le lien pour le téléchargement direct pour la ligne ressource pack, pour le serveur. En properties, et je vais peut-être mettre à quoi ça va ressembler la ligne, donc avec le ressource pack égal devant, comme ça vous saurez, voilà tout simplement, et ça sera plus simple pour vous. Donc on va retourner en jeu. Alors c'est parti maintenant, on peut démarrer. Alors voilà, du coup on est sur les plateformes, putain, voilà, si on est en sneak là, bon ça va, mais du coup il faut arriver en sneak quand même. Là on a notre laser, enfin c'est notre épée quoi, on peut taper avec Energy Gun, donc ça, il faut quoi de là pour recharger? Aim this at a planet to blow it up. Ouais. D'ailleurs, on a les, voilà. Merde. Putain, j'ai sauté vraiment très bas. Les dispensers ici, où on a tout ce qu'il nous faut. Avec, notre équipement sur nous aussi. Merde! Putain! on saute pas assez loin. On fait des sauts beaucoup trop haut, du coup, les distances, on les juge mal. C'est abusé. Ok. Bon, là, du coup, on a un mini laser. J'ai envie d'aller par là. Ouais, je peux. Je peux. Yes. Vas-y, on descend normal. Voilà, on a. Ah ouais, mais on a encore le truc pour descendre. Est-ce qu'on va l'avoir à nouveau? Ouais, on l'a toujours. Bon, je sais pas jusqu'où on va l'avoir. Ah voilà, c'est bon. On l'a jusqu'ici. Est-ce que je vais pouvoir t'attaquer avec? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Repli. Merde, qu'est-ce que je fous? Je cherchais une solution de repli, les gars. Voilà. Je cherche pas à me suicider. Oh, on a. Et d'ailleurs, on a même des planètes. Wrapper. Désolé, mais. Merde! Ok. C'est bon? Ok, ouais. Ça, je sais pas où est-ce que ça nous téléporte, en fait, exactement. Ça nous téléporte. Ah! À l'endroit où on vise, à peu près. Oh! Oh, c'est bien. Voilà. Et du coup, on a plein. Dac. Ah mais d'ailleurs oui, j'ai le réflexe de fermer l'inventaire dès que je quitte
Merde, où est-ce que je vais? Par là. Voilà. Oh yes, voilà. J'ai le réflexe de fermer l'inventaire dès que je prends tous les items. Mais du coup, là, vu que ça se retire dès qu'on a tout pris, bah ça sert à rien, voilà. Donc c'est bon. Merde, qu'est-ce que je fous? Qu'est-ce que je fous? Planète Wrapper! Je me suis pas sauvé, putain. Merde, on a tous les deux réussi à perdre des vies. On perd des vies sans se taper. Putain. C'est abusé, on serait pas un peu nul. Si, totalement. Particule en lageur. Où est-ce que t'es? T'es où? T'es où? T'es là. T'es là. T'es là. T'es là. Mais non! Meurs pas! Ok, ouais, vas-y, meurs pas comme ça, toi. Tu ne vas pas mourir si bêtement. Voilà, déjà, ça enlève... Non, bon, ok. On va peut-être mettre plus de vie, parce que là, 3 vies, c'est pas assez du tout. 3 vies, on voit tellement que c'est pas assez. Le mec est énervé. Fuck! Bah du coup, on va rajouter des vies, en tout cas. Allez, crève! Merde. Merde, je peux plus charger, ok. Bon, j'ai juste la roquette. On va peut-être aller. Voilà, on monte ici sur ce cube. On est mort. Aha! Aha! Ramène. Putain. Ok. Alors là, autant vous dire que on est. C'est qui qui a mis ça tout là-haut? C'est. Il est en train de se balader, il en envoie partout. Il est juste en bas. Et, ah, mais il est en créa. Qu'est-ce qu'il fout? Non, il est pas en créa, putain. Je sais pas. Je vais le mettre en survie. Parce que je l'ai mis en créa. Voilà. Tu étais en créa, tu es en survie. Non! Qu'est-ce que je fous? Ah! Oh, putain. Putain. Putain, ok. Ouf. Ah! Donc, voilà. Je vais essayer de survivre. On a la roquette, donc ça nous envoie dans les airs. Quelle hauteur, quelle hauteur, quelle hauteur? Eh bien, jusqu'ici, par exemple. Et là, on va attaquer Dracox. Donc, Dracox, t'es où? Merde, il s'est barré un peu. Ouh, on va prendre des objets en plus. Vas-y, 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 ouvre-moi ça. Merci, merci, merci. Ok. Non, parfait. Putain, je suis mort déjà. Et je crois par contre qu'on garde notre inventaire dès qu'on meurt. J'espère. Il me semble que c'est le cas. Oui, c'est le cas. C'est génial. Radar. Les autres joueurs sont sur les sont en anglo quoi. Donc voilà. Là, je suis paré. Je peux te tirer dessus. Oui, c'est la victoire. Ah, c'est pas la victoire. C'est pas la victoire. Putain. Je sais pas, il m'a envoyé une flèche et il m'a tué. Je crois. Putain, tu m'as kill. Je sais pas s'il parle à moi, mais je crois que oui, donc tu m'as kill. Toi, tu vas. Coucou. Coucou. Bonjour. Bonjour. Oui! Et lui, il pouvait pas me taper vu que je suis en train de descendre. Non. Non. Je suis protégé. Ah, voilà. Tu peux penser que je suis surpuissant, mais pas du tout. Tu es où? Il est descendu, je crois. Il est descendu. On va passer par là. Yes. J'ai eu un peu peur. On va... celui-là. Oui, on l'a. Là. Non. Putain. J'ai pas réussi. C'est galère de faire les sauts. Je sais pas quel est votre avis. Je vous ferai tester de façon à nouveau l'event et vous me direz à la deuxième partie quel est votre avis sur le niveau de difficulté de cet event. En termes de sauts. Parce que c'est abusé. Pour sauter d'une planète à l'autre, c'est galère. Voilà. On est bien. On est calme. Au calme. Et on peut sauter. Non! C'est à cause de mes dégâts, putain. J'ai été bloqué à cause de mes dégâts. Coucou toi. Vas-y, vas-y. Au revoir. Putain. Je fais un petit ramasse-miettes. Est-ce qu'on... Ah non, on peut pas. Ok. Alors, 3, 2, 1.
Zéro. Donc cette partie-là, c'est une partie pour déjà à 10 vies et c'est une partie où le gagnant va repartir avec un serveur Minecraft hébergé par nous-mêmes. You serious? On est collé au plafond en tout premier et voilà. Donc on va pouvoir redescendre, tuer les autres, les faire tomber en bas. Voilà. Comme ça, il a le but au moins lui. Les autres, ils y ont déjà joué en général. Et voilà, il y a du stuff dans les boîtes sinon avec notre arme, putain, avec des munitions. Mais vous avez déjà vu les autres parties avant, donc ça devrait aller pour vous. Donc on va, bon, déjà si je lag un peu comme ça va être un peu embêtant. Voilà, donc on va essayer de se retrouver à aller hop vers les îlots. On va, ouais, allez, celui-là par exemple. Aïe! J'ai été amorti dans ma chute. J'ai été largement amorti. Oh, particules. Ça sert à quoi déjà ça? Merde. Merde. J'aurais pas dû regarder. J'aurais pas dû regarder. Je suis mort. C'est temps pareil. Ah, c'est ça. C'est génial. C'est génial ce truc. Ce truc, c'est le truc le plus génial qui existe. Hop. Voilà, on va passer par là. Tac. On monte ici. Comme ça, on peut aller là. Et on a d'autres éléments. Donc, oh, roquette. Non! Tac. 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 Et non, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi. Bon, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça a pas ajouté mes particules. Vas-y, je t'en envoie un sur la figure. Est-ce que ça fonctionne? Je ne sais pas. Peut-être que ça va l'empêcher de bouger. Ah, moi en tout cas, je peux accéder. Non, je peux pas accéder à toi parce que du coup je vole encore. Si, comme ça. Putain, je lag pas mal. Je lag pas mal. Voilà, on a notre fusée. Merde, putain, il faut reprendre une fusée et remonter. Où... Non, putain, elles ont servi à rien, mes deux fusées. Mes deux fusées n'ont servi à rien. On va monter là-bas. Voilà, on monte là. Hop, c'est parti. On atterrit. Non! Ok, ouais. Je voulais pas bugger. On va atterrir juste là. Voilà. Juste là. Non! Non! Mais non! Mais non! Mais c'est une injustice! Attendez. Les gars, ils sont à 9 vies. C'est qui qu'on doit aller focus? Le tout premier qui est Anaskai. Et pourquoi Ansai, il a pas perdu une seule vie alors que là, il y a pas joué avant. Il a pas fait d'autres parties. C'est le seul en plus à pas avoir fait d'autres parties. Vas-y, Dracox. Vas-y, casse-toi, casse-toi. Et il se... Oh, mais il a des... Oh putain, il a de quoi se barrer de planète en planète. Est-ce que j'ai moyen d'avoir pareil? Voilà. Si je passe par là. Voilà. Si je passe par là. Et que je vais... Voilà, j'ai pas de dégâts de chute. Je vais ici. Comme ça, je prends Elf Pack. C'est quoi ça? C'est use it. Ah, oh, to regain. Ah! Oh! Merde, je suis ah ok. Je suis un peu dans la mouise quand même. Ah, ok, ouais. Est-ce que je peux monter là-haut? Est-ce que je peux? Si, ok. Peut-être. Aïe. Ok. On va essayer. On va essayer. Tac. Hop. J'ai réussi. J'ai réussi à remonter. Ok. Ok. Aïe. Putain. Ok. On va réessayer ce bloc-là. Si, bien sûr, je suis au même endroit. C'est bon, je suis au même endroit. Non! 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 Ouais. C'est juste en faisant des sneaks qu'on meurt. Donc en vrai, on peut ne pas mourir en bas. Faudrait que je corrige peut-être ça sur la map si j'y arrive. Parce que là, si on ne meurt pas en bas, c'est problématique. Putain. Et nous, on va aller juste là. Non, mais m'attaque pas! Les gens me focus de nos jours. C'est plus ce que c'était. Voilà, Rocket Launch, merci. J'ai eu... Enculé! Oh, mais quel salaud! Quel salaud! J'étais remonté et là, du coup, j'ai plus rien. J'ai juste un health pack. Mais à part ça, j'ai rien. J'ai rien du tout. Il y en a toujours à 9 vies. Anaskai, il est imbattable, ce mec. Ok, du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. Pourquoi j'ai un laser? J'ai un laser sous moi, les gars. Où est-ce qu'il vient? Ah non, c'est une flèche! Ah, c'est une flèche que je me suis pris tout à l'heure! Putain, c'est... Attendez, c'est quoi? C'est quel élément? C'est peut-être...
C'est peut-être ce particule en largeur ou alors c'est celui-là. Je sais l'un des deux, mais je me suis pris une flèche. Je l'ai toujours sur moi. Du coup, voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc, pour ceux qui ont gagné leur serveur hébergé, je mets tout simplement des screens du panel à quoi il ressemble maintenant à l'écran pour vous, pour que vous sachiez à quoi ça ressemble. Donc, voilà, donc c'est un panel plutôt intuitif qu'on a mis pour les serveurs, pour pouvoir en héberger. Donc, on va peut-être en faire gagner d'autres par la suite. Bon, pour le moment, on a fait gagner deux de un mois, donc on va pas trop s'enjailler non plus pour le moment, parce que on a quand même nos serveurs à faire tourner sur la même machine que les serveurs qu'on offre. Donc, si jamais ils tiennent pas, les serveurs d'Unity, bah c'est un peu ballot. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner si c'est pas déjà fait, à partager la vidéo à tous vos amis. Et moi, je vous dis à, du coup, dimanche pour une nouvelle vidéo. Sur ce, c'était Dargo. Tchuss!